November. Your month of security and protection. Amen. That is the theme of our month. C'est le thème de notre mois. The month of November. Le mois de novembre is our month. C'est notre mois of security. De sécurité and protection. Et de protection. Amen, somebody. Amen. Hallelujah. Alléluia. This month, because the year is going to an end. Parce que l'année approche à sa fin. So we need protection and security. Donc nous avons besoin de la sécurité et de la protection. Amen. Amen. So the topic of my message. Donc le thème de mon message says. Dit. The name of the Lord. Le nom du Seigneur. The name of the Lord. Le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Can somebody say the name Est-ce qu'on peut of le dire? The Lord. Le nom du Seigneur. Amen. Let us define security. Nous allons tout d'abord définir la sécurité. Because we said this month is our month. Parce que nous avons dit security. Que ce mois c'était notre mois de sécurité. And protection. Et de protection. So let us divide first, you know, define security. Donc nous allons définir la sécurité. Security. La sécurité. Is the state of being free from danger or threat. C'est un état où on est libéré de la menace ou du danger. Security. La sécurité. Is the state. C'est l'état. Of being free. D'être libre. From danger. Du danger. Or threat. Ou de la menace. It is the, you know, it is freedom. C'est la liberté. From potential harm. D'une potentielle attaque ou de mal. Potential harm from external forces. Des forces opposées. Alléluia. Alléluia. It is a state. C'est un état of being safe. Où on est en sécurité, où on est sauvé. So this month, donc ce mois, we shall be free from danger. Nous allons être libérés du danger. We shall be free from every attack. Nous allons être libérés de toutes les attaques. In the name of Jesus Christ. Because you know something, my Parce people. Parce que vous savez, from the month of September. Depuis le mois de septembre, you know. As the year is going to an end, comme l'année touche à sa fin, the devil and the powers of darkness, le diable et les pouvoirs des ténèbres, they also plan, you know, to end the year, you know, with a lot of attacks. Ils planifient aussi de terminer cette année avec beaucoup d'attaques. As that is why, you know, it is important for us. C'est vraiment important pour nous. To, you know, key into this theme for de the vraiment month. Semer dans ce thème pour le mois. Especially the last few months of the year. Surtout les derniers mois restants Because de l'année. A lot of people started Parce que the beaucoup year. De personnes ont commencé l'année. Some of them are no longer et here. Et certaines personnes ne sont plus là. But God has helped us. Mais Dieu nous a aidés. God has kept us. Dieu nous a gardés. That is why it is important. C'est pour cela. That you personalize the theme que vous puissiez of the year. Personnaliser le thème Alleluia. You know, and the theme of the month. Et le thème du mois. As we are going to an end also. Quand nous aussi on arrive à la fin de l'année. You had an announce. Vous avez entendu l'annonce. That as from the 5th of December. À partir du 4 décembre. We are going to, 5th. Du 5. We are going to have our 12 days. Nous allons avoir notre 12 jours de jeûne et prière. And one each day. Et un jour represents one month. Représente un mois. Alléluia. Alléluia. So we are going to prepare our Donc, 2019. Préparer notre année 2018. The same way we prepared our 2018. Que nous avons préparé notre année 2018. Alléluia. Alléluia. Everything we are doing this year. Tout ce que nous sommes en train de faire cette année a été donné on the 31st of December. Le 31 décembre. So for each month. Donc pour chaque mois. God gave a theme. Dieu a donné un thème. Alléluia. Alléluia. So we know that next year too. Donc nous savons que l'année prochaine. Jehovah God Almighty. Jéhovah le Dieu Tout-Puissant. He will give us also, you know, things for the year. Aussi nous donner des thèmes pour l'année et ainsi que pour les mois. Amen, somebody. Amen. So that is why it is important. C'est pour ça que c'est Everything important. Everything we are doing here. Tout ce que nous faisons. It is spiritual. C'est spirituel. And it is given by God Himself. Et ça a été donné par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. So let us divide protection. Donc nous allons définir la protection. Protection is the condition of being kept safe. La protection, c'est la condition d'être gardé sain et sauf. From injury or damage. Des dommages ou du mal. It is the state of being protected. D'être protégé. By someone. Par quelqu'un. I will take it again. Je vais le reprendre. Protection. La protection. Is the condition. C'est l'état. Of being kept safe. D'être gardé sain et sauf. From injury or danger. Du mal ou du danger.
It is the state, c'est l'état, of being protected, d'être protégé by someone, par quelqu'un. Hallelujah, church. Hallelujah. So it means this protection and security. Donc ça signifie que cette protection et cette sécurité that we are talking about dont nous sommes en train de parler does not come from us, ne vient pas de nous, but it comes from someone. Mais elle vient de quelqu'un. And this someone, et cette personne, is greater, est plus grand, is higher, est plus grand, is bigger, est plus grand, is mightier, plus grand, and he is more holier than anything. And anyone. Hallelujah. And the person we are talking about today is the person of God. Hallelujah. Security, la sécurité, and the protection, et la protection that God gives to His people. Que Dieu donne à son peuple. Amen. Amen. So let us go quickly to Proverbs chapter 18, verse 10. Nous allons aller à Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbs 18:10. Proverbe chapitre 18 verset 10. If you are there, say I shall be kept safe from danger. Si vous y êtes, dites je serai gardé sain et sauf du danger. Amen. We read together. Nous lisons ensemble. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is saved. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Alléluia. The protection and security, la protection that et la we sécurité are talking about this dont nous sommes en train de parler ce is mois found est trouvée by the righteous par le juste. Each time they run into the name of God. À chaque fois qu'ils se réfugient dans le nom du Seigneur. Each time you and I, à chaque fois que we vous willingly moi, run into the name of God. Nous prenons la décision de se réfugier dans le nom du each Seigneur. Time you and I, à chaque fois que vous we realize nous réalisons that the name of God le nom is de a strong tower and we will run into him. On part s'y réfugier. We are safe. Nous sommes sains et saufs. Alléluia. Alléluia. It is something that you and I must do. C'est quelque chose que vous et moi nous devons faire. The name of the Lord, le nom du Seigneur, is powerful. Est puissant. Alléluia. Alléluia. The name of the Lord, le nom du is Seigneur, a strong tower. Est une tour forte. The name of the Lord, le nom du is Seigneur, a protection and a shield. Est une protection et c'est aussi un to those that will run into Him. Pour ceux qui vont se réfugier dans Son nom. Alléluia. Alléluia. And each time we run into this et name, à chaque fois que nous nous réfugions dans ce nom, we are protected. Nous sommes protégés. Why? Pourquoi? Because there's power in His name. Parce qu'il y a le dans son and nom. The power that is found et le in pouvoir his name, qui est trouvé dans le nom, you know, can never be imagined. Ne peut pas être imaginé. The security found la in the name of God, trouve dans le nom du the Seigneur, protection that la is found in the qui est name of God, dans le nom de Dieu, can never be imagined. Ne peut pas être égalé. And it is only in Him et c'est seulement en lui et en lui seul true protection que la véritable protection and true security et la véritable sécurité is found. Est trouvée. Alléluia. Alléluia. It is important for you and I to c'est important know pour vous et moi de savoir that it is only God que c'est seulement Dieu that has the power to qui a le pouvoir de sauver. It is only God c'est seulement that Dieu has the power to qui a le pouvoir you and to secure your future. Hallelujah. Alléluia. It is the name of God. C'est le nom de Dieu. And in His name alone, son nom seul, that we can find que nous refuge. Pouvons trouver le refuge. No other refuge aside from the name of God. À part celui du nom de Dieu. Let us go to Psalm 119. Allons à Psalm 114. Verset 114. Psalm 119. Psalm 119. Find it, say, I shall be free from danger. Si vous le trouvez, dites, je serai libéré du danger. Amen. Amen. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Hallelujah. Alléluia. Jehovah is a shield and a hiding place to those that run into him.
Jéhovah est un bouclier et un asile pour ceux qui vont se réfugier en lui. This refuge we are talking about. Ce refuge dont nous parlons. Your enemies does not know this place. Vos ennemis ne connaissent pas cette place. This dwelling place of the Most High God. L'endroit où habite le Dieu très haut. You know that hiding place of the Most High God. Ce lieu qui est caché. Your enemies does vos not know that place. Pas. Hallelujah. Your enemies can never know that place. And that is why it is réfugier en Dieu. Hallelujah. Hallelujah. That is why your shelter, my shelter, your shield and my shield must be God. Votre bouclier doit être Dieu. Your enemies, vos ennemis, does not know, ne connaissent pas, and can never know, et ne pourront jamais connaître, the dwelling place of God, là où demeure le Seigneur. Say my enemies, dites mes ennemis, cannot know, ne peuvent pas savoir, and can never know, ne pourront jamais savoir, the dwelling place of God, la demeure de Dieu, where I find refuge, là où je trouve mon refuge. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Anytime you hide in the hiding place of God. À chaque fois que vous cachez dans le refuge de Dieu. Anytime you are under the protection and security of God. Vous êtes sous la protection et la sécurité de Dieu. The attackers can never attack you. Les attaques ne peuvent pas vous atteindre. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Because he's covering you. Parce qu'il est en train de vous couvrir. A shield covers. Un bouclier protège. A shield protects. Un bouclier protège. Hallelujah. Alléluia. So God is your shield. Donc Dieu est votre bouclier. In the month of November. Dans le mois de and beyond November, God will be your shield. Hallelujah. Alleluia. And any trouble that is coming, et tous les problèmes you shall be preserved. Why? Because pourquoi? Your shield is parce in place. Votre bouclier est en place. That is why you and I, c'est pour ça que vous et moi, we must take shelter in God. Nous devons trouver notre abri en Dieu. We must take shelter in Jehovah. Nous devons trouver notre abri en Jehovah. Hallelujah. Alléluia. Because he is powerful. Parce qu'il est puissant. He is powerful. Il est puissant. He is victorious. Il est victorieux. There is no battle that God cannot fight. Hallelujah. There is no trouble that God cannot chase away. Le Seigneur ne peut there pas is chasser. No strong man that God cannot break. Alléluia. You need to take shelter in mais vous God. Devez trouver votre refuge en Dieu. Say, I will take shelter in God. Je trouverai mon refuge en Dieu. Those who depend on God, ceux qui dépendent sur Dieu, shall, you know, have the benefits, auront le bénéfice of his power, de son pouvoir, and shall be taken under his special protection. Ils seront sous sa protection spéciale. Alléluia. Alléluia. When you depend on God, lorsque vous dépendez sur Dieu, when you trust in God, when you make the name of God your strong tower, lorsque vous faites que le nom du Seigneur you will votre now fort, benefit, vous allez maintenant bénéficier, you know, from that power. De ce pouvoir. It is only those that c'est seulement run ceux to God, qui vont dans le Seigneur. It is only those that run into the name of God dans that de you know enjoys the power of God. Hallelujah. Alléluia. When you run into his name, lorsque vous vous réfugiez dans son nom, benefit from vous pouvez the power maintenant bénéficier of his name. Du pouvoir de son nom. It is like when rain is falling. C'est comme lorsque la pluie tombe. As you know, it is raining. Il pleut. And you see somebody coming to you. Et vous voyez quelqu'un qui vient vers with vous. An umbrella. Avec un parapluie. What do you benefit? Qu'est-ce que vous allez bénéficier? Protection. De la protection. You are shielded from the rain. Vous êtes protégé and de la will pluie. Not be wet. Et vous n'allez pas être. Alléluia. Alléluia. But if the person brings the umbrella. Mais si la personne emmène le parapluie. And you say no, no, it's okay. Et vous dites non, non, c'est bon. What happens? Qu'est-ce qui se passe? You will not benefit. Vous n'allez pas bénéficier de la protection that the umbrella gives que to le you. Parapluie apporte. Alléluia. Alléluia. So the name of God. Donc le nom du Seigneur. Is even better than the umbrella. Est meilleur qu'un parapluie. Why? Pourquoi? Because when you have the umbrella. Parce que lorsque vous avez le parapluie. And it is raining. Et qu'il pleut. Your head will be protected. Votre tête sera protégée. Rain will not fall on your head. La pluie ne tombera pas. Your clothes will not be wet. Vos habits ne seront pas mouillés. To a certain stage. Jusqu'à un certain. But niveau. As from your knees. Mais à partir de vos genoux. You shall be wet. Vous aurez de la why? Pourquoi? Because when the rain is blowing, parce que lorsque la the pluie rain will blow into your legs, your feet, la pluie va passer your shoes will be wet.
sur vos chaussures et sometimes if the rain is heavy, si la pluie est lourde, you know, you will be wet from downwards. Vous allez être trempé à partir des genoux. But the name of the Lord, mais le nom du Seigneur, that is the strong tower, qui est la does, plus forte, does not just protect the head, ne protège pas seulement la tête, protect the whole body. Alléluia. From the head to the toe, Jehovah protects. Le Seigneur protège. There is no one area that God will not cover. Il n'y a pas un domaine que Dieu ne pourra pas couvrir. He will cover you in totality. En totalité. Say God, cover me in totality. Dieu, couvre-moi en totalité. He will cover you. Il va vous couvrir. Even your extended family, God will cover. Même votre famille, tu vas couvrir. And that is why you must learn. Et c'est pour ça que vous devez apprendre. Run into the name of God with your family. Hallelujah. Run into the name of the Lord with your children. Et vous allez tous être protégés. You know why? Vous savez pourquoi? Because God's protection is extensive. Parce que la protection de Dieu est extensive. Alléluia. Alléluia. He will not only cover you, but he will cover everyone that bears your name. Tous ceux qui portent votre nom. Alléluia. Alléluia. He will not only cover you for the month of November, he will cover you to the end of your days. Alléluia. Alléluia. The month is just symbolic. Le mois c'est juste symbolique. But God's power and protection does not limit only for December, or for November, or for January. It's for all the days of your life. Alléluia. The name of the Lord. Le nom du Seigneur is a strong tower. Est une tour forte. When you run into that name, lorsque vous vous réfugiez dans ce nom, you are protected. Vous êtes protégé. Alléluia. Alléluia. Let us go quickly to the book of Acts chapter 4. Allons au livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Say the protection of God and his security shall be extended to my entire family and my entire life. Dites, la protection de Dieu sera étendue jusqu'à ma famille et dans toute ma vie. Amen. Amen. Are we there? Amen. Neither is there salvation in any other name. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. We are in trouble. Nous sommes dans des problèmes. If we do not take shelter in the name of si God, nous ne trouvons pas notre abri dans le nom du Seigneur, we are in trouble. Nous sommes dans des problèmes. If we do not take shelter in the name of Jesus Christ, nous ne trouvons pas notre abri dans le nom de Jésus-Christ. We are in trouble. Nous sommes dans if des we problèmes. Do not identify with Jesus Christ, si nous ne nous identifions pas avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Because there is no other name, parce qu'il n'y a pas d'autre in nom heaven, dans on ciel, earth, sur la in terre, any other place, dans tout that place can save a man, qui peuvent sauver un homme. Only the name seul le nom of Jesus Christ. De Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. So we are in trouble. Donc nous sommes dans des problèmes. If we don't run into this name daily, si nous n'allons pas dans ce nom tous les jours, every day, tous les jours, you must run into vous devez the name of vous réfugier dans le nom de Jésus. It is not something you do every month. Ce n'est pas quelque chose que vous faites chaque mois. It is not something you do every six ce months. Ce n'est pas quelque chose que vous faites chaque mois. It is not something mois. You do from time to time. It is not something you do once in a year. It is a daily exercise. Hallelujah. Every day, tous les jours, you must run into the name of Jesus. Vous devez vous réfugier dans le nom du Seigneur. Every day, tous les jours, you must run into the name of Jesus Christ. Dans le nom with de your family, avec votre famille, with your projects, avec vos projets. Hallelujah. Students, every day, you must run into the name of the Lord. Réfugier dans le nom du Seigneur. Tomorrow you are starting school again. Demain c'est la rentrée. You must run into the name of the Lord for this semester. Say, Father Lord, this semester, Seigneur, I run into your name. Jesus Christ, the strong tower. Jésus Christ, la protect me throughout the semester. Durant tout ce trimestre. Help me. Aide-moi. Give me success. Donne-moi la protect me. Watch your money. As I go, as I come, let your protection cover me. Hallelujah. Hallelujah. We are in trouble. Vous êtes dans les problèmes. Shelter in this name. De trouver notre abri dans ce nom. We are
trouble. Nous avons des problèmes. Anytime we refuse. À chaque fois que nous refusons, to run into this name. De se réfugier dans ce nom. Trouble is around. Alors il y a des problèmes autour de nous. Danger is not far. Alors le danger n'est pas loin. And that is why we must run into this name. Et c'est pour cela que nous devons nous abriter dans ce nom. Because this name has power. Parce que ce nom a this name pouvoir. Has great power. Parce que and this name pouvoir. Is so powerful. C'est important. If you have not been doing it before, si vous ne le faisiez pas avant, then you take yourself for granted. Peut-être que vous vous prenez à la légère. You take God for granted. Vous prenez Dieu à la well, légère. I'm a child of God. Oui, je suis un enfant it's de okay. Dieu. C'est bon. I carry the protection of God. Protection I carry Dieu. The name of God. I carry Dieu. The, you know, the anointing of God. So you just Dieu. Walk away every day. You go out, vous you come in. You don't run into that name. Hey, there's pas dans danger. Ce nom. Look at your neighbor and say, hey. No matter how powerful you are. Peu importe la puissance que vous no avez. No matter how anointed you are. Peu importe l'onction. No matter how gifted you are. You must run into this name every day of your life. Hallelujah. Because there is no other name. Il n'y a pas d'autre nom. There is no other power. Il n'y a pas d'autre that can save you and I. Qui peut vous sauver vous et moi. Except the name and the power si of Jesus Christ. Hallelujah. So it is very important. Donc c'est vraiment très important. That every day. Que chaque jour, you run into the protection vous puissiez of God. Vous réfugier dans la protection de Dieu. No other name. Pas d'autre nom. No other power. Pas d'autre pouvoir. And cover and protect ne you. Peut vous couvrir et vous protéger from evil and danger. Du mal et du danger. Hallelujah. Hallelujah. The way the name of Jesus Christ will do for you. C'est cela que le nom de Jésus-Christ va faire pour vous. Jesus will cover you. Jésus va vous protéger. Jesus will protect you. Jésus va Jesus vous couvrir. Will deliver you. Jésus va Jesus vous délivrer. Will shield you Jésus from va vous every protéger. Attack from every enemy. De so that is why it is important for you and I pour vous to always run de toujours se réfugier dans ce nom. Amen. Amen. Say, I will run into this name. Je me réfugierai dans ce nom. Every day of my life. Tous les jours de ma vie. I will run into this name. Je vais me réfugier dans ce nom. I will run into this name. Je vais me réfugier every dans ce nom. Day of my life. Tous les jours de every ma vie. Every second of my life. Tous les jours I shall take vie. Refuge in this name. Je vais prendre le refuge in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Let us go with you to Psalm 20, verse 7. Allons à Psaume chapitre 20, verset 7. Psalm 20. Psaume chapitre 20, verset 7. Psaume chapitre 20, verset 7. If you are there, si vous y êtes, we are reading from 7 to 8. Nous lisons à partir du verset 7 à 8. If you are there, say, Lord, cover me with your protection. Si vous y êtes, dites, Seigneur, couvre-moi avec ta protection. Amen. Amen. Some trust in chariots, some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Amen. Amen. Verset 8 pour les versions françaises. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. So Alléluia. For the verse 8 and 9. Donc pour les versions françaises, c'est versets 8 à 9. Alléluia. Alléluia. You know the difference between the godly and the ungodly? What Vous savez the la difference? Différence entre le croyant et le non-croyant? There's a great difference between the godly and the ungodly. Et celui qui ne croit pas. The godly, celui qui croit, puts their trust va mettre sa confiance in the name of the Lord. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. The ungodly, ceux qui ne croient pas, their trust vont mettre leur in confiance their power. Dans leur in pouvoir, their connection, dans leur connexion, in their wealth, dans leur, and in their education. Et dans leur éducation. Alléluia. Alléluia. So,
where your heart is. Donc là où votre cœur est. Where your desire lies. Là où sont vos désirs. Where your confidence lies. Là où votre confiance est. Determines if you are godly or not. Détermine si vous êtes un croyant ou un non-croyant. That is why where we read in Proverbs 18:10. Là où nous avons lu dans Proverbes 18 verset 10. It did not say the name of the Lord is a strong tower. Ça n'a pas dit le nom du Seigneur est une. Where everybody runs to and is saved. Là où tout le monde va et est sauvé. Is that what you read? Est-ce que c'est ce que vous avez lu? Hello, church. Allô, église. He said. He says the name of the Lord. Le nom du Seigneur. Is a strong tower. Est une tour. The righteous. Le juste. Runneth into it. S'y replie. Alléluia. So it is only the righteous, the righteous that are wise, ceux qui sont sages, that will run into the name of the Lord. C'est eux qui vont se réfugier dans le nom du Seigneur pour la protection. Where we have just read now, là où nous venons de lire maintenant, about, you know, where people's trust de là où les gens mettent leur confiance. Your confidence, your trust, my confidence. Where is it? Où est-elle? Is it in what you have? Est-ce qu'elle est dans ce que is vous avez? Is it in your job? Est-ce qu'elle est dans votre is it in travail? Your marriage? Est-ce qu'elle est dans is votre it mariage? In your certificate? Est-ce qu'elle est dans votre certificat? Where is your trust? Où est votre confiance? Where is your trust? Où est votre confiance? Where do you put your trust? Où mettez-vous votre confiance? Is it in your position? Est-ce que c'est dans votre position? Because you are a big man. Parce que vous êtes because un you are a big woman. Because you have a car. Because you have a job. Because you are well positioned. No. Position, some they trust in this things. Certaines personnes mettent leur confiance dans ces choses. But they have fallen. Mais elles sont tombées. But we. Mais nous. We will put our trust. Nous allons mettre notre confiance. In the name of the Lord. Dans le nom de and we are standing tall. We are standing. We are standing. We are standing. Our trust. Parce que nous mettons notre confiance dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Because when you put your trust. Parce que lorsque vous mettez votre confiance. In your position. Dans votre position. One day. Un jour. Your position will disappoint. Votre position va vous décevoir. If you put your trust. Si vous mettez votre confiance. In your husband. Dans votre mari. One day. Un jour. Your husband will disappoint. Votre mari va vous décevoir. If you put your trust. Si vous mettez votre in your wife. Dans in your children. If you put your trust, si vous mettez votre confiance in your finances, dans vos finances, one day, un jour, your finances vos finances vont vous décevoir. But it is only the trust in God. Mais c'est seulement la confiance en Dieu qui ne pourra jamais vous décevoir. If you put your trust, si vous mettez votre confiance dans vos connexions, dans because vos relations, you are connected parce to people, vous connaissez les personnes, you know the high and the mighty, un jour, the high and the mighty, les personnes bien placées vont vous décevoir. What if you put your trust in the Lord God Almighty, the Creator of heaven and heaven, le Créateur du ciel et de la terre, he can never disappoint. Il ne pourra jamais vous décevoir. Because you know why? Vous savez pourquoi? He's the God of all weather. C'est le Dieu de toute météo. Alléluia. Alléluia. The God of all weather. When it is cold, he is God. When it is hot, he is God. When it is raining, he is God. Only when you are making it, c'est seulement lorsque vous êtes en train de réussir que c'est là qu'ils vont vous reconnaître. Alléluia. Your family, votre famille, they respect you when you bring out money. Lorsque vous emmenez de l'argent. When you associate with the big, lorsque vous êtes associé aux grands, they will only accept you if you are big like them. Si vous êtes aussi bien placé. But the day that you are no longer big like them, they will kick you out of their, you know. Contact list. Pour vous sortir de leur relation. But God, mais Dieu, can never kick you out ne pourra of his jamais contact vous sortir list. De ces listes de contacts. Why? Pourquoi? Because when you have nothing, parce que is your God. Rien, when you have everything, Dieu. Is your God. When you are sick, Dieu. Is your God. When you are healthy, Dieu. Is your God. When you are poor, Dieu. Is your God. When you are rich, Dieu. Is your God. Donc sachez là où vous mettez votre confiance. So they put their trust in houses. Sans mettre leur confiance dans les maisons. They put their trust in houses and in cars. Les maisons dans leurs they voitures. They put their trust in what they have. Dans ce qu'ils ont. But you know something. Mais vous savez quelque a chose? A man's life.
La vie d'un homme is not measured by the quality of things that you have. Hallelujah. Why? Because there are people that have everything. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout. And yet they are empty inside. Mais elles sont vides à l'intérieur. When you look at them, lorsque they vous wear beautiful clothes. Ils ont they have big cars. Ils ont they have grandes voitures. But inside, mais à l'intérieur, they are empty. Ils sont vides. Inside, à l'intérieur, they are not happy. Ils ne sont it pas is heureux. Only God. When you have God, that brings Dieu, true qui amène la vraie joie. Even when you are rich, même lorsque vous êtes riche, when you have your diplomas, lorsque vous avez when votre diplôme, you are connected, lorsque vous êtes connecté, it is God that will give you joy, qui va vous donner la joie à l'intérieur, hallelujah, pour réjouir avec tout ce que vous avez. So while you are getting all those things, donc lorsque vous avez tout cela, make sure that Jehovah is number one, hallelujah. And if God is number one, si Dieu est numéro un, alors toutes les choses vont, alléluia. Do you know why? Vous savez pourquoi? If death comes to parce que si la mort vient aujourd'hui, your diploma will disappoint. Vos diplômes vont vous décevoir. Your diploma will not say, let me go for you. Vos diplômes ne vont pas dire, attends, je vais aller pour toi. Go for you? Ou est-ce que vos diplômes vont partir pour vous? If you put your trust in your husband, si vous mettez votre confiance dans votre mari, the day that you will die, le jour où vous allez mourir, your husband is crying, votre mari va pleurer. Another side chick is looking. I'm here. Il y a une autre qui regarde à côté. Sorry. Oh, c'est pas grave. No, she's gone. I'm t'inquiète here. Pas, alléluia. If you put your trust in your car, si vous mettez votre confiance dans vos voitures, because you have beautiful car, parce que vous avez une belle voiture, the day that you will die, le jour où what will happen? Qu'est-ce qui it va is passer? The car that will carry you, you no longer carry the car. C'est la voiture qui va vous porter, c'est pas the car will not say, why now? La no, voiture va pas dire, pourquoi? The non. Car will not say, who is this one? Enter. La voiture va juste dire, vas-y, rentre. Alléluia. So where do you put your trust? Donc, où mettez-vous votre confiance? Where is your trust? Où est votre confiance? Where do you put your trust? Où mettez-vous votre confiance? All these things will make you fall. Toutes ces choses vont vous faire tomber. I'm not saying you should not get them. Je ne dis pas que vous ne devez pas les avoir. Alléluia. Alléluia. Because God has created parce que to Dieu have good things too. Nous a créé aussi pour que nous puissions avoir de bonnes alléluia. Choses. Alléluia. But you, as you have those good mais things, lorsque vous avez ces bonnes let choses, God be the foundation. Alléluia. And as you are getting those lorsque beautiful things, recognize God as the author. Ne mettez pas votre confiance dans ces choses. Because one day, parce qu'un jour, they will disappoint you. Elles vont vous décevoir. If you put your trust in si children, vous mettez votre confiance dans vos enfants, as the children are growing up, comme les enfants sont en train de it grandir, is beautiful. C'est beau. They are all around you. Ils sont tout look autour at my daughter. Regardez mes she's enfants. Preparing me already. Elle est en train de me préparer déjà. Mama, you know, maman, tu sais, the university I want to go, l'université où je veux not, aller, it is not in poor, il n'est pas beau. So prepare yourself. Donc, prépare-toi déjà. Alléluia. What am I saying? Qu'est-ce if que I dis? Put my trust in the two of them, mets ma confiance dans they are growing. Ils sont en train de they grandir. Have their lives to live. Alléluia. One day they will go. They will leave me alone at home. Tout so where maison. Is your trust? Donc où est votre confiance? What are you living for? Pourquoi vivez-vous? You are living for your children. Est-ce que vous vivez pour vos one enfants? One day your children will grow up. Un jour vos enfants vont and grandir. They will leave you. Et ils vont vous laisser. You will be alone. Et vous serez seul. What will you say? Qu'est-ce que vous allez dire? Where is your trust? Où est votre confiance? Your trust must be God. Votre confiance doit être Dieu. If your trust is God, si votre confiance est Dieu, toutes les autres choses vont venir. Alléluia. Et lorsqu'elles viendront, they come with peace. Elles viennent avec la paix. Alléluia. Dis Dieu, you shall be my trust. Tu seras ma confiance. As from today, à partir d'aujourd'hui, I will trust in you. Je mettrai ma confiance I will put en toi. My trust in you. Je mettrai ma confiance so that I can stand. Pour que je puisse because tenir. I know parce que you can never disappoint me. Que tu ne peux pas me décevoir. Friends will disappoint me. Les choses vont me décevoir. Friends will disappoint les amis vont me décevoir. Children will disappoint les me. Enfants vont husband décevoir. Will disappoint me. Les maris my wife will disappoint me. But I know that you can never disappoint me. Tu ne pourras jamais me décevoir. Therefore, I put my trust in you. C'est pour ça que je mets ma confiance en toi. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Is it money that you have in the account? Est-ce que c'est l'argent que vous avez dans votre compte? You have invested. Vous avez investi. Ah, it's okay. Ah. This one is for tomorrow. Donc ça maintenant c'est pour demain. The account will disappoint you.
Votre compte va vous laisser tomber. Because you know what, there's what we call the wrong banking choice. Parce que il y a ce qu'on appelle les mauvais choix bancaires. Wrong investments. Les mauvais investissements. Your banker will tell you, you know, votre banquier va vous dire ça. Excuse me, this money. Désolé, cet argent that you have. Let us invest it in this thing. On va l'investir in dans ça. 2-3-5 years. Donc dans 2-3-4 ans. It will bring dividends. Ça va ramener. That is the banker. That is the banker. But the banker does not know what will happen in the next 5 years. Mais le banquier ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Hallelujah. Alléluia. A lot of people, they have invested all their money. Et 5 ans plus tard, they lost everything.